here you don't have a rotational movement but a translational movement. Therefore, you will be divided into the same 11 groups. And we have 9 spans here, like with a pivot. But the lateral move is moving, the main lateral is moving at the same speed. So, you will place your pots, your recipients, on a line, a straight line, from the beginning to the end. Since we are 11 groups, we will locate 2 groups at the first span and 2 groups at the last. So in the intermediate spans, only one group. So number 1, 2 groups. Number 9, 2 groups. But the other one, but in between, is one group. This one is much simpler because you align your boxes, your recipients, you align them, the 12 one. And you do your double ring infiltrometer measurement just beside the lateral, where the lateral has already irrigated, because you have a wet soil there, so you will not be far from the KSAT. The protocol is the same, so I don't have to explain again in detail how you place your recipients, how you put inside the soil your double ring infiltrometers. You know already all this. You take 2 meters between them. On va faire la détermination des mêmes 2 grandeurs clés, à savoir le processus de détermination de la conductivité hydraulique à saturation, KSAT, et la détermination aussi de la pluviométrie. Bon, conséquemment, vous avez vu que pour déterminer la pluviométrie, vous allez mesurer aussi la dose qui a été envoyée. Hein. C'est ça le tableau que je vous ai envoyé là. Donc ici, la rampe frontale est composée de 9 travées aussi, chaque travée faisant 56 mètres. Donc on va, vous êtes 11 groupes, donc on va placer 2 groupes ici, première travée, et 2 groupes, dernière travée. Le reste là, un groupe. Okay. J'ai dit que le travail est plus simple ici, parce que la machine avance de manière, enfin en translation, donc il n'y a pas de rotation. Vous allez placer vos 12 pots ou 12 récipients, vous allez les placer sur une ligne. J'ai dit, entre les pots, vous prenez 4 mètres. Pourvu que ce soit dans la travée, puisque après vous recueillez une valeur moyenne. Bon, tandis que le double anneau, vous le placez là où la travée est déjà passée. Pour avoir un sol qui est déjà assez mouillé, donc pas loin de la saturation. Comme ça, vous aurez plus facilement la valeur de la perméabilité. Bon, je vous ai envoyé un tableau récapitulatif déjà. Donc moi, je vais prendre la position où se trouve la tour, enfin le chariot qui entraîne l'ensemble. Je vous envoie les coordonnées GPS. Vous allez entrer ça dans le tableau récapitulatif. Bon, si vous pouvez faire déjà la courbe de régression pour avoir KSAT, vous le faites. Sinon, je vous ai dit de me donner la valeur moyenne des 3 dernières mesures delta H sur delta T. C'est ça que j'ai appelé KSAT approximatif. So normally you deduce KSAT from the nonlinear regression curve equation. But for the table of summary that I have asked from you to be handed tomorrow by 4 p.m., I ask you to take the last 3 measurements of your double ring. And you make the calculation of delta H over delta T in millimeter per hour. That gives you an idea. It's approximation of KSAT. So this is the work we are going to do.
Ça, c'est le travail qu'on va faire maintenant. Donc, chaque groupe, vous avez déjà votre numéro, vous avez reçu votre kit. So, every group has already its kit and has its number. So, you just take position and you start. But for the application rate, I advise you to take at least 10 meters from the front of the water. Au moins 5, placez-vous au moins à 10 mètres en avant, ou même 20 mètres, parce qu'avant que le dernier groupe, c'est mieux que vous commenciez tous en même temps. Nous travaillons sur deux types de machines, à savoir une rame frontale et un pivot. La différence entre ces deux engins est que l'un se déplace de façon transversale, il s'agit de la rame frontale, et l'autre de façon circulaire, c'est le pivot. Concernant la rame frontale, nous allons faire deux mesures, la mesure de deux valeurs, c'est la pluviométrie et la perméabilité. En ce qui concerne la pluviométrie, comment ça va se passer? Nous allons recueillir de l'eau dans des gobelets, 12 gobelets au total, que nous allons placer en face des asperceurs à des distances de 4 mètres environ chacun. Et lorsque l'asperceur envoie son eau, nous allons recueillir les gobelets, l'eau sera recueillie dans les différents gobelets jusqu'à ce qu'ils arrivent à ras-bord. Arrivé à cette hauteur, nous allons estimer le temps, c'est-à-dire à l'aide d'un chronomètre, nous allons regarder combien de temps cela a pris pour que les gobelets puissent se remplir. Avec cette valeur, nous avons le volume et le temps. Nous pourrons ainsi déterminer la pluviométrie
des asperceurs. Pour ce qui est du double anneau, nous allons placer nos double anneaux, introduire de l'eau jusqu'à ras-bord et mesurer les variations de hauteur à des pas différents de temps, 10, 20, 30 minutes, avec des séries de 3 mesures chacune, jusqu'à l'obtention du CASA, c'est-à-dire la valeur à laquelle il n'y a plus d'infiltration. Maintenant, ces deux valeurs vont nous permettre de connaître également les caractéristiques de notre sol, la capacité de rétention et quel type de sol on a, limoneux, sableux. We are doing a practical work in the course of Mr. Keita today. We are at Essence Osuko. So, Essence Osuko has two sprinklers. The first sprinkler is the pivot sprinkler. The pivot sprinkler has a circular move, and the transversal sprinklers have a transversal move. Right now, today we worked on the transversal sprinkler, which we use to measure our flow rate. So, the first thing we have done is the double ring. So the double ring consists of measuring the soil permeability, as I said earlier. So the soil permeability is measured by adding water into the double ring and then measuring the water that is infiltrated after a amount of time that is determined. We're going to start with 10 minutes each for 3 times, and then we are going to 20 minutes for 3 times, and finally we are doing 30 minutes for 3 times. We have to have 9 values in order to have good results. Secondly, we have done the pluviometry, or flow rate, the measure of the flow rate, which consists of placing cups into the ground but next to sprinklers. The sprinklers will put water into the cups, and then we will get to measure the real flow rate of the field that is getting into the soil, no matter the plants or the foliage that are sometimes blocking water. So that's basically what we have to do today.